Et c'est une façon innovatrice, finalement, de découvrir le centre-ville et découvrir les murales de l'organisme Muré. Donc, au lieu d'avoir un animateur ou des personnages costumés, bien, le guide, c'est un iPad. C'est très simple, c'est une programmation, on pourrait dire, pour les nuls, disons pour tout le monde. Alors, on a une carte, on a trois circuits, en fait, qui est un trois circuits où on peut le faire séparément ou ensemble. Donc, on a les murales, on a 10 murales, on a 13 clins d'œil, on veut que les gens sortent, on veut que les gens marchent. Les gens sont autonomes, ils sont libres, ils font finalement le circuit qu'ils veulent. On loue pour plusieurs heures. Alors, on peut commencer avant de dîner, on arrête, on va luncher, on va prendre un café et on continue la visite. Bonjour, mon nom est Serge Malenfant et je vous invite à venir voir la murale « Il était une fois dans l'Est ». Cette murale-là qui représente le progrès de l'Est et les personnages qu'on y retrouve. Donc, ce sont les personnages qui ont marqué l'Est selon leur façon à eux. Donc, on a des Tiblan Richard, des Antonio Montour, des Louis Bilodeau, et avec une ambiance un peu country, qui dit « en avant la musique ». Mais dans les iPads, c'est comme les murales. On change de style, on change de sujet, on change d'endroit, et chacun a leur ambiance. Donc, souvent, de façon complémentaire, dans le iPad, dans les photos d'archives, en collaboration avec la Société d'Histoire, ou même des familles du quartier, il y a des photos qui sont ajoutées pour nous expliquer qui est qui, quoi et pourquoi. Cette chère Madame Terrien que je n'ai pas connue, vouée à mon quartier, pour ça je vous salue. Je sais que la crise 29 a frappé très très fort, vous vous en sortirez en mettant les efforts. Madame Sénégal, ma dépit porte votre nom, vous avez ma...